Ah ouais. J'ai à vous offrir deux conversations. D'accord. La première, elle lui dit, si Dieu décide qu'on soit ensemble, que feras-tu? Et lui répond, je ne peux rien faire, c'est Dieu qui a décidé, il n'y a pas de problème. Mais lui-même, Dieu là, il connaît mon goût, c'est pas toi. Oh. On appelle ça poteau gospel. Mon frère. Un poteau gospel. Comment on peut être méchant comme ça? Ah, c'est dur. C'est dur quand poteau même. Poteau gospel. C'est ton goût, mais est-ce que tu as son goût? C'est ça aussi. C'est ça, c'est justement ça. Tu as son gars, mais est-ce que lui? Est-ce que c'est sa go jazz? C'est ça aussi. Ça. Alors, les Ivoiriens, vous avez de sacrées questions. Mais attends, elle est à go, mais est-ce que tu as son gars? On est à l'Ivoirienne. C'est ça. Le deuxième tableau, toujours là, toujours dans une conversation. Le mec lui dit, c'est qui le mec qui t'enlace, qui te sert dans ta story là? C'est avec lui que tu me trompes, c'est avec lui que tu me fais taper d'eau. Elle répond, t'es trompé. Pourquoi? Aïe. Lui, c'est mon gars côté maman. Toi, tu es mon gars côté papa. Donc, reste tranquille. Ça veut dire quoi, en fait? Je veux bien comprendre. En détail, ça donne quoi? Je suis pas très intelligent, donc j'ai du mal à percevoir. Avec la reine, non, elle a pris le brassard. C'est pas un lien de parenté, ça. Si on veut expliquer, si on veut décortiquer, elle a deux mecs. Ouais. Ah. Donc comme elle a deux parents, père et mère. Donc il y a un qui est accepté par la mère. Voilà. Et l'autre qui est accepté par le père. C'est comme si tu avais un frère côté paternel et un frère donc, maternel. Donc lui, il est son gars côté maman. On a deux gars. Voilà. Bravo. C'est ça. Exactement. Comment ça être intelligent? C'est ça. Ouais, exactement. C'est bien. Mais bon. Merci, Antédric. Je t'en prie, Yves. Là, on a appris des choses. Hein. On pourra refaire le monde. Ouais, quand même. Du coup, on est des sachants et des savants. Merci infiniment.